220 lutteurs issus de 12 clubs à travers la France avaient répondu à l'appel de l'étoile sportive Ville aux Dames qui organisait ce dimanche sa traditionnelle compétition annuelle. Une épreuve devenue au fil des années un rendez-vous incontournable pour les jeunes lutteurs tourangeaux et qui montre la bonne santé de la lutte en Touraine. Au niveau départemental, donc nous avons 4 clubs sur le plan départemental. Dont des gros clubs comme Joulet Tours, le CLT, ensuite vient la Ville aux Dames et après la Riche. Ça se porte bien, on voudrait avoir un peu plus, bien sûr, de licenciés. Et malheureusement, notre sport n'étant pas suffisamment médiatisé, on a du mal quand même à rester au plus haut niveau. Et nous avons quand même des jeunes qui commencent donc à progresser, qui commencent à devenir à un bon niveau. On a des jeunes qui ont déjà fait des championnats de France déjà. La tenue de cette compétition non officielle sert de répétition générale aux championnats zone qui auront lieu dans 2 semaines. C'est aussi l'occasion de faire plus ample connaissance avec sa discipline méconnue. Aujourd'hui, les valeurs qu'il le faut, d'abord être simple, humble, savoir être un peu, avoir de la vitesse, de la force aussi, de la souplesse. La lutte fait quand même partie d'un des sports les plus complets aujourd'hui, hein, depuis déjà des décennies. Elle est toujours là et on est là justement pour expliquer à tous les enfants et à leur donner cette envie de faire. Et la lutte est pour ça, justement, faite pour ça. Pour les enfants, l'essentiel est ailleurs. Pour eux, ce sport est avant tout un moyen de se défouler dans la bonne humeur. J'ai fait que 2 combats et je les ai pas gagnés. Et comme c'est une grande compète, mes amis m'ont dit que c'était normal que j'ai pas gagné parce que c'était un peu dur cette compétition. J'étais stressée et puis je pense que les filles qui ont combattu avec moi, elles avaient plus de niveau que moi. J'adore me défouler, j'adore le sport, donc... C'est mon papa qui m'a proposé de faire de la lutte. C'est un sport de combat et en même temps, ça m'aidera à me défendre. Avec un peu de chance, j'ai su gagner tous mes matchs. Mon papa m'a félicité, ma maman aussi. Qu'on se le dise, la relève de la lutte tourangelle est certainement à chercher du côté de l'ES Ville aux Dames. Son fondateur, le regretté Claude Péchard, peut en être fier.